Un jour de grand vent et de grande pluie. Oh. Le texte. Christophe Colomb, Magellan, ont traversé tous les océans. Marco Polo sur son bateau est allé à Citrono. Il n'avait pas besoin d'aller si loin pour trouver l'aventure au bout du chemin. Il suffisait pour s'en aller tout seul. Il suffisait pour s'en aller où ça? Description du paysage. Il pleut le matin, il pleut le midi, de mars à février, la pluie de mois de juin. Il y a des giboulées, le mois d'août est bien arrosé. Et quand vient l'hiver au fond des vallées, il n'y a que des flaques et des lacs gelés. C'est un pays de pionniers, où ça? La Vallée des Monts d'Arrée. Et oui, c'est un pays de pionniers, où ça? La Vallée des Monts d'Arrée. Description des hommes des Monts d'Arrée. Si vous n'avez pas d'imagination, si vous êtes un peu fatigué en fin de semaine, vous n'avez qu'à me regarder. C'est un pays pour les garçons qui boivent, tu sais, et qui puent des pieds. Ils ont la marque en paillasson et la langue en poil ciré. C'est un pays pour les enfants qui ont la laine de harangue. Les plus grands. Oh ouais, et nous, on va y aller, où ça? La Vallée des Monts d'Arrée. Et nous, on va y aller, où ça? La Vallée des Monts d'Arrée. Et si maintenant on parlait des femmes si jolies, à vous donner la vaillante, intelligente et fière, elles sont les plus belles de la terre. Vous serez séduit et embouté, vous ne pourrez plus vous en détacher. Pour les trouver, faut aller où ça? La Vallée des Monts d'Arrée. Pour les trouver, faut aller où ça? La Vallée des Monts d'Arrée. Ah, vous tous qui êtes là, qui m'écoutez, si le cœur vient à vous manquer, si le quotidien vous paraît gris, sachez qu'il est impayé. Vous devrez vous battre avec le vent impayé. Chaque jour sera une aventure. Et puis, vous trouverez ce dont vous rêvez, où ça? La Vallée des Monts d'Arrée. Et vous trouverez ce dont vous rêvez, où ça?